Hey, coucou YouTube, c'est Bifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme parce que ça c'est le plus important. Je pense que vous l'avez compris, on est sur Hogwarts Legacy, héritage de Poudlard. On est là pour le 19e épisode. Merci à vous tous déjà, avant de commencer quoi que ce soit, de votre soutien sur ma chaîne YouTube. Grâce au like, aux commentaires, au partage de vidéos, ceux qui rejoignent les réseaux sociaux, ceux qui s'abonnent, ceux qui activent la fameuse petite cloche. Et merci à ceux qui jouent le jeu en désactivant Adblock, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider. Merci à vous tous, ceci me fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, on va tout simplement continuer la suite de cette aventure. On va essayer d'avancer un petit peu. Juste auparavant, je suis en train de me faire quelques petites potions vite fait bien fait, ne vous inquiétez pas, ça va très vite. Comme ici même. Hop là, parfait. Je crois qu'on est full, non? Non, on n'est pas full, c'est bon. Il y a 24 potions, on est bien même. On est très bien même. Allez, on va sortir d'ici. Moi ce que j'ai envie de voir les amis, c'est est-ce qu'il fait nuit ou pas? Parce que s'il fait nuit, pourquoi pas essayer de chercher les fameuses statues. J'ai perdu le nom de ces statues, les amis. Je l'ai au bout de la langue, mais je l'ai perdu. Ça, c'est vraiment triste. On va essayer de regarder juste après, ne vous inquiétez pas. Après le chargement, les amis. Ça n'a pas duré très longtemps. Hop là, voilà, c'est bon. Alors. Comment s'appellent ces fameuses statues, les amis? Parce que j'ai perdu le nom. Quête. Je crois que c'est celle-ci. Donc, il faut qu'on rapporte les statues de... des méguises, exactement. Et pour ça, il faut qu'il fasse nuit, les amis. Donc, il y en a dans le château. Je crois qu'il y en a à peu près 10, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est peut-être le moment de pouvoir les... de les chercher, de les récupérer. Alors là, déjà... on arrive à avoir quelques petites informations vite fait, bien fait. Je vais essayer de voir en haut s'il n'y en a pas une. Donc, j'y suis... je crois pas qu'il y en avait vers ici. Hein. Et on sait jamais, vous savez, sur un coup de malentendu. Non, là on avait déjà fait, je crois. J'ai toujours dit... non, là, il n'y a pas. Par contre, là, il fait jour. Ouais, il fait jour. Bah, s'il fait jour, c'est foutu. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. On va pas chercher plus loin. On va essayer de regarder un petit peu dans nos quêtes. Je pense qu'on va faire la mission avec notre cher ami Sébastien, qui nous demande d'aller à Feldroff. Feldcroft, il nous demande d'aller voir sa sœur Anne pour qu'elle retrouve le sourire, donc grâce à une rencontre d'une nouvelle recrue de Poudlard, donc c'est-à-dire nous. Mais il se passe des choses inquiétantes à Feldcroft. Ok, donc on va y aller tout de suite, les amis. Je pense qu'on va prendre la carte. Carte du monde. Et ça, logiquement, ouais, c'est vers le sud. Hein. Ah, c'est carrément au sud-ouest. Ah ouais, carrément, quoi. Bah écoute, on va s'y rendre tout de suite les amis, et on va commencer à la faire parce qu'on va pas attendre, hein. Forcément, il faut qu'il fasse nuit. Si, à la limite, ce que j'aurais pu faire les amis, c'est peut-être aller sur ma carte et appuyer longtemps sur le bouton F qui me permet de faire passer la journée. J'aurais pu le faire. Mais bon, on va essayer de faire quand même une petite quête principale, ça serait pas mal. Une épreuve de Merlin? Ouais, bah alors attends, si c'est une épreuve de Merlin, c'est quoi l'épreuve? C'est quoi ça déjà? On essaiera d'avoir ça plus tard. Je pense que tous les trucs comme ça, en vrai de vrai, je vais aller carrément à un endroit et je vais remonter la carte petit à petit, je vais tous les faire en même temps. Comme ça au moins ça sera fait et ça sera plus simple. Et vous savez ce que j'ai oublié de faire? De vendre mes items. Et on va le faire tout de suite, les amis. L'endroit semble être assez agréable. Je sais pas pourquoi sur ce jeu, à chaque fois, je crois qu'il faut que j'appuie sur Shift pour accélérer non-stop, alors que c'est pas du tout le cas. Faut appuyer qu'une fois et après tu relâches. Bienvenue. Je suis et tu re-appuies pour désactiver l'accélération. Voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? On va essayer de prendre quelques infos sur lui. Bel endroit, n'est-ce pas? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. Il a dit avec des créatures? Que vendez-vous ici? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de tout. Ah. Si vous ne me croyez pas. Ok, j'ai compris. Vous reviendrez, comme tout le monde.
J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Attendez les amis, je suis enrhumé, je suis vraiment désolé. À ce sujet, un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours... Excusez-moi les amis. Harmonie, jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrok. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Que proposez-vous à la vente ? On va voir ça tout de suite, comme ça, ça va me permettre de pouvoir vendre des items, les amis. D'accord, ok, donc il vend des choses comme ça, d'accord, ok. Donc nous, ce que nous allons faire, les amis, ben, je pense qu'on va lui vendre les lunettes, déjà, pour commencer. On va vendre ça. Ça, les amis, faites-moi penser qu'il faut que j'aille juste après, c'est ce que je suis en train de vous dire. Faites-moi penser, vous n'allez pas pouvoir me répondre, vu que ce n'est pas du live, c'est une vidéo enregistrée. Mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vendre ça. Je vais vendre ça. Ça aussi. Et je pense que c'est tout en vrai. N'hésitez pas à revenir. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Juste, pourquoi j'irai pas? Alors attends. On va faire ça. Réveillon. Ok, donc il y a pas mal de choses ici. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien, t'inquiète pas, madame. Je mijote rien du tout. Je parle alors que c'est une sorte de statue, mais c'est pas grave. Je suis quand même quelqu'un de gentil. On va essayer de faire tout le village tant qu'on y est. Comme ça au moins j'aurai pas besoin de revenir plus tard. Et je pense que je pourrai pas tout avoir. Ah et ça me fait penser que dans les hameaux, les amis, souvent il y a des statues. Truc là-bas aussi. C'est ce que je viens de voir. Si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Je sais pas, mais te pose pas la question si t'as envie d'habiter ou pas, mec. T'y habites pas. Oh. C'est pas comme si on pouvait acheter une maison ici, quoi. On peut même pas acheter de maison. On reste à Poudlard. Qu'est-ce qui me prend la tête, lui? Qu'est-ce qui me prend la tête, lui, là? Calme-toi, Bifa. Je me capte si j'ai envie, là. Il y a un coffre ici. Il y a rien d'autre? Non, c'est bon. C'est le coffre qui fait ce bruit, hein. On est d'accord. Hein. Ça, par contre, les amis, je ne savais pas. Ah, si, 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 je retire ce que je viens de dire. J'allais dire, je ne savais pas que les objets étaient cachés comme ça, mais si, si. Je m'en rappelle. Il y avait un truc ici, là, non? Ouais, là. C'est de l'argent. Ça fait toujours ça. Oh, il y a une coupe ici. L'argent, c'est toujours ça de prix, les amis. Je ne crache pas là-dessus. Réveillon. Arrête. Réveillon. Tac. Et là, il faut que j'aille ici. C'est lequel celui-là? C'est celui qu'il faut que je me mette en invisible? Ah non. Ah, un objet non identifié, les amis. Rébellion. Parfait, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tout ce qui est plantes, etc. Ça, c'est autre chose aussi. Et là, il y en a aussi là-bas. On va y aller tout de suite. Comme ça, les amis, ça sera fait. J'aurai pas besoin de revenir plus tard. Là, je peux pas.
Mannequin d'entraînement. Les résidents de Feldcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de gobelins. Attendez, parce que là, il y a un truc, là. D'accord. Et là, il y a un autre coffre là-bas. Parfait. Là, il y a quelque chose à première vue. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Ah, mais c'est des lettres de notre cher ami Sébastien. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion. Pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles, Anne. D'accord, ok. Waouh, il m'a fait peur, lui. Tu crois que c'est la maison de... C'était sa maison, ça ? Pas compris, là. On va attendre. Il faut qu'il fasse jour avec lui, d'accord, ok. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Feldcroft. Plus personne okay, ne se prononce comme ça. Depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Et vas-y, je te suis. Hein. Ah, bah c'était là où on était, les amis, je crois. Regardez, c'est la maison qui va être à gauche, j'en suis sûr. Bien, plus animé autrefois. Bien sûr que c'est là-bas. Avec et donc, la fille qu'on a vue, c'est Anne alors. Tout le monde se cache. Ouais, c'est ça. J'en étais sûr. Ma sœur doit être à l'intérieur. J'imagine. Il n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Là. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez encore sûr. Plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne.
Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. C'est mal de me connaître, mon ami. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. Ouais, c'est nous. C'est nous. Nous avons rencontré lors d'un duel en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Ouais. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien, qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Ouais, je pense. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Ses parents sont morts. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Il est déterminé. Hein. Je vais te montrer où ça s'est passé. Allez, c'est parti. Et c'est vraiment quelqu'un de déterminé. Les gens hein. ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Allez, vas-y, je te suis. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Allons voir. C'est là-haut, sur ce plateau. Anne a été maudite. Par ici. Eh vas-y. Hein. Cours, mon ami, cours. Revelio. On va devoir. C'est bien ce que je pensais. Ces gravats encore longtemps. Ranrock, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un honneur de participer. Confringo. Confringo. Allez hop, oui c'est fait les amis. Allez on va voir ceux d'en haut là. On va s'occuper d'eux là. Il y en aura pour tout le monde. Le commandant. Tu es sûr que tu n'es pas un moldu ? Tu
sais pas qui je suis, toi. T'as, laisse-moi récupérer les trucs par terre, s'il te plaît. Hop là. Attends, tu t'es même pas battu contre moi, toi. Qu'est-ce que tu parles? Ah, c'est rempli de potions. Aïe. Aïe. Ah, mais c'est ce que je pensais en fait, il y en a d'autres qui arrivent là. Ils ont pop en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas lui que je veux. Oups. Laisse-moi finir avec lui. Voilà. Attends, j'étais en train de m'occuper de l'autre là. J'avais pas vu qu'il était là lui. Ouais, je sais, ouais. Attends, tu veux pas réparer ça, mon ami? C'est bizarre ça, non? Y'a pas un truc avec ça là? Déjà parti, lui, il a pas le time. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Ouais, je pense aussi, ouais. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de... J'étais en train de penser, les amis. Cela pourrait m'aider à... Ça servait à rien que je fasse les esquives. J'avais pas appris, je crois, le fameux sort qui permet de récupérer... Je crois que c'est de la santé ou je sais plus ce que c'était. Je crois que je l'avais pas pris, ça. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Incendio. Qui appartenait à cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici. Mais... C'est chiant, ça. Ah. Des trucs qu'on n'a pas besoin, les amis. Ah, attendez, je crois qu'il y avait un truc ici. Ouais, ok, une chabaguette. Ici dans l'inventaire, on a ça en supplément. Voilà, le reste, on regardera ça plus tard, les amis. Parfait. Je crois qu'il y avait encore un truc là-bas, non? C'est ici.
fait. Là, il y a un truc aussi. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ouais. Rebellion. Et là, il y a quelque chose ici. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. On va se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. La maison en elle-même. Je crois que dans la maison, ouais, il y avait une sorte de d'objet sur la droite là quand tu rentrais. Exactement, c'était ça là. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible, mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Il dirait que ça a été supprimé exprès. Revelio. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Ça me dit un truc. C'est pas la vision qu'on avait vue dans la fontaine, là, quand tu plonges la tête dedans ? Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque. C'est ça. Avec un souvenir qui montrait cette maison. Exactement. Il y avait une petite fille, la sécheresse... Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts. Exactement. Où tu as atterri grâce à un porte au loin. Mm-hmm. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Exactement. Et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Non. Dit comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi, pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi, des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Ouais, je pense. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une cage... Réveillon. Peine de bloquer une cage d'escalier. Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Là, ce qui est chiant en fait, c'est que j'ai pas assez de pages. Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie d'utiliser mes trucs là pour des choses pareilles quoi. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Lumos. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Tiens, tiens, Réveillon. Tiens. Lumos. Alors. J'entame ma deuxième semaine au camp. Il y en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser. Mais la désolation, perdure. Et j'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter, j'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'empêchais. Tout espoir est-il vain ? Mais je regrette. Mais je regrettais toute ma vie ne pas en avoir fait plus. Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ça serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain.
Je crois que ces extraits. Mais mange du pain, qu'est-ce que je te dise, moi d'Isidora. Lumos. Explorer la cave. Et qu'est-ce qu'il me raconte lui? On y est là, non? Ah, t'es en train de me dire. Ah, ok. My bad. Revelio, Lumos. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Parler à Sébastien. Sébastien, je crois qu'il s'appelle, non? Je sais que ça peut paraître étrange, en mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est vrai. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrok a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir. Ouais. Tout ce que je sais, exactement, c'est oui. Que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Allez, on va rentrer dedans. C'est parti les amis. Let's go. Bon, je suis un petit peu rouillé là, mais j'espère que je vais pouvoir gérer tranquillement mes sorts. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là, Sébastien? Je dirais qu'on est dans Boudlard. Ça. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Dire un symbole de quelque chose. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. Ouais. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrok et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais... Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. A plus tard. Il y avait un truc là-bas, les amis. Rebellion. Ouais, il y avait un truc là. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce donc ça? Je savais que c'était dans Poudlard. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Ok.
Revelio. Alors, où on en est, les amis? Donc maintenant, on a le haut donjon. Nati m'attend près des ruines d'un château. On a également un cours d'astronomie, les amis, dans la salle du professeur Chat. Se trouve à l'étage de la tour d'astronomie au-dessus de l'étage de la salle sur demande. Je devrais m'y rendre sur le champ, assister au cours d'astronomie. Je pense qu'on va peut-être le faire, les amis. Juste là, il y a également ceci dans l'ombre de la lignée. Sébastien et Omisis ont été vus en train de disputer dans la grande salle. Je dois comprendre pourquoi ils retournent. Je pense qu'on va finir la mission avec lui, avec Sébastien. Juste, les amis, ça va détruire. Tac, tac, tac. Ensuite, là, dans l'inventaire, on a ça. Ça, on a ça. Là, dans les quêtes, qu'est-ce que nous avons? Je pense que c'est un peu plus en bas, logiquement. C'est où? Ah, c'est ça, ok. Ok. D'accord. On a rien d'autre là, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma carte. Je vais aller dans les pièces secrètes. Je vais aller sur la salle sur demande. Et ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais examiner les objets qu'on a sur nous. Les objets mystérieux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il faut peut-être que je regarde ce que c'est quand même. Équipement. Ok, parfait. Donc là, en gros, ça m'a débloqué tous les équipements qui étaient en machin, on est d'accord. Ouais. Dégâts de Shoemorder et de Chine accrus. Intéressant. Mais cette couleur bleue, au fait, ça va pas avec moi. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est de couleur bleue. Quoi. La vente dans les 200. Quand même. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a là? Un objet légendaire. Mais voilà le truc quoi, c'est que... C'est pas intéressant pour moi quoi les gars, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais aller les vendre, je vais me faire un peu d'argent avec. Là on a celui-là également. C'est pas si moche que ça. Qu'est-ce que nous avons? On a une paire de lunettes classique. Ouais, il est pas si moche. Attendez, c'est combien déjà? L'autre là? 57. On va rester avec ça. L'autre a beaucoup plus de choses quand même. 66. Ah. C'est pas si moche. Pas si moche, pas si moche. On va du coup parler à notre cher ami. Et ensuite, les amis, je pense qu'on va aller vendre directement les vêtements qu'on a en trop. Si on peut les vendre directement, ce serait pas mal. Essayer de voir s'il nous restera un petit peu de temps également. Il est juste en haut, logiquement. Enfin, en bas. C'est triste, hein, je... J'ai souvenir d'avoir vu des statues là qui m'intéressent les amis, mais je sais plus où. C'est loin, attends. Qu'est-ce que c'est cette bêtise là? On va prendre le TP là. On va pas attendre comme ça pendant 30 ans. Hein. Eh oh, t'es fou ou quoi là? Oh, et Jackie. Le guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été inclus. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Ouh, il est énervé là. Avec Salazar Serpentard, en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Ominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment... Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire.
il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être. Je suis obligé de dire ça, je vous rappelle que. L'histoire de sa famille. J'ai le côté un petit peu. Ouais, est-ce que je veux dire, quoi. J'aimerais en savoir plus si tu pouvais me raconter. Là, c'est mon côté trop curieux, tu vois. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Non. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris ? Dolores, non? Le sortilège de Loris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Ominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. D'accord, donc là il va falloir attendre. Tout à Ominis. Il changera d'avis. Ok. Vers là-bas. Salut, c'est moi, Garrett. Tu aurais un moment ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il faudrait que je lui parle, mais... Je vais attendre qu'il fasse nuit, les amis. On va appuyer sur F. Oui. On va attendre qu'il fasse nuit et j'ai envie de voir les amis si je trouve pas les, les statues. Rebellion. Qui c'est qui a cassé la statue? Hein, la statue elle a été cassée là? Ah, y'en a un là-bas. Oh mais... Attendez, c'est où ça? Comment je fais pour entrer là? Ah, c'était là, attendez. C'est ici. Tu es à moi. Nice. Allez, 2-1. Et je vous avoue que c'est normal hein, que j'y arrivais pas aussi auparavant. Vous savez pourquoi les amis? Parce que j'attendais pas qu'il fasse nuit. Quand il fait pas nuit, du coup, c'est pas affiché sur ton truc. Ce qui paraît logique au final. Je m'étais pas un endroit, je vais essayer de voir s'il y est pas. Alors non, pas ici. Plus. On va se mettre ici. Et je vais essayer de voir un truc, les amis. Je pense que j'en ai vu un à un moment donné. Il me semble. Je vais quand même regarder. Rebellion.
ici. Oh, attendez, je vais sortir d'ici. En route pour de nouvelles aventures. C'est où déjà la sortie ici? C'est pas ici. C'est là. Revelio. Parfait. 47 sur 50. Revelio. Si je l'ai fait celui-là, c'est ce que je me disais quand même. Rire lui à chaque fois. Vous autres, vous rien préparé à mauvais... Wow, 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 reste tranquille. Réfléchis, mais pas. Est-ce qu'il y en a pas un dans la cour du clocher? Ça se pourrait à l'extérieur. Je sais pas si ça doit se trouver automatiquement dans un bâtiment. Revelio. Là, attendez, là il y a pas. Revelio. On va avancer vers là-bas. Je sais plus où ça mène ça par contre. Ça y est, je suis perdu là. Je sais plus où amène où. Ça je me rappelle. Ça me ramène ici. Bon sang. Il est tellement grand château aussi là. Revelio. Il y a des trucs en haut. J'irai voir ça plus tard, les amis. Revelio. C'est quoi déjà le sort pour me le farmer? C'est ça, je crois. Mince, je sais plus où c'est. Ah, ça c'est vraiment embêtant ça. Il y en a un là-bas. C'est dans cette pièce là.
Niveau 2, bon sang. Je pourrais jamais y aller dans celui-là. Fichu les amis celui-là, il est fichu. Rebellion. On ira voir ça plus tard. Possible. Où c'est que je pourrais aller? Il faut que je réfléchisse les amis. Next de la bibliothèque, j'ai pas l'impression. L'aigle du clocher. Salle des trophées peut-être. Il n'y aurait pas à se faire la salle. Ah mais attendez. Ah mais je sais plus où c'est. Oh aïe aïe aïe, j'aurais dû les ramasser au tout début. Alors attendez, là il y a un coffre. Ok. L'armure de troll. Cette armure peu commune a été fabriquée pour un troll. C'est un exploit qu'elle soit encore en un seul morceau, étant donné que les trolls ne portent généralement pas d'armure et sont, on le comprend, bien plus susceptibles de l'écraser de désarroi, de colère. Rebellion. Sauf que moi, je suis pas venu pour récupérer des trucs comme ça. Il y en a un là-bas. L'armure de centaure. Cette armure peu unique a été fabriquée en gage de paix, mal avisée par le chef des centaures. Celui-ci a refusé le cadeau et le messager a reçu une flèche dans le genou. L'armure, poselée par les coups de sabot, a plus tard été retrouvée et remise à neuf. Ok. Par contre, c'est ça que j'ai vu là-bas. Ah, je me suis fait avoir. Attendez, si. Il y a quelque chose là. Ouais. Là, il y a un truc qui me plaît là. Allez, ouvre-moi la porte. Come on! J'ai vu quelque chose qui me plaît là. Rebellion. Ok, il y a plusieurs trucs là. Déjà, il y a ce gros coffre. Un objet non identifié. Et ici, j'ai quoi? Le 15 février 1851. Ce que j'ai vu dans la boucle de cristal ce matin ne m'a guère plu. J'ai d'abord cru à ma bonne fortune en apercevant le ministère de la magie, excusez-moi, dans mon avenir. L'atrium n'est apparu plus clairement que jamais. J'ai toujours rêvé de travailler là-bas. Mais celui-ci s'est dissipé en une nuit de balai, ok, à perte de vue. Et mon optimisme est retombé tout de suite. Mon avenir m'attend-il au service de régulation des balais? L'ennui viendra à bout de ma santé mentale plus rapidement que la chanson d'un fort. Faut se faire, ok, d'accord, ok. Si tu as envie, hein, Jackie. En attendant, disons simplement que la divination n'est pas mon point fort, mais le simple fait de deviner une telle chose n'est-il pas justement la preuve de mon talent? C'est fort probable. Rebellion. Attends, parce que là... plein de choses ici. Serrure niveau 3. Serrure niveau 2. Je pense que ça va me coincer. Hein. Mais je suis sûr que j'ai pas besoin d'avoir tous les sorts des serrures. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que si je vais à certains endroits, je peux en récupérer et d'autres, il faut que j'aille ailleurs.
Gargouille du bureau du directeur. L'escalier qui mène au bureau du directeur est gardé par un gargouille enchanté qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe. Il est difficile de croire que quelqu'un ait envie de rendre visite à son occupant actuel. Ah. C'est dans les amours, disent. Mais dans Poudlard, je suis sûr qu'il y en a 10, les amis. Attendez. C'est sûr, les amis. 100%. Dans Poudlard, il y en a moins 10. Vous voyez, regardez, je vais ici. Et là, ils disent qu'il y en a 10. Donc, c'est que je passe à côté, c'est obligé. Dans la salle des sortilèges, il n'y en avait pas un. Attendez, quand j'avais rendez-vous là avec le monsieur au tout début là, Friggs, je crois qu'il s'appelait. Rebellio. Il avait pas justement monsieur Friggs, il en avait pas un dans sa pièce à lui là. Allô, je suis sûr que si. Cher monsieur, alors cher professeur chat, je vous remercie de vos récentes remarques au sujet des anomalies célestes. Elles auraient été tout à fait, leur place dans un atlas que j'espère publier. Je ne manquerai pas de vous contacter si je décide d'inclure vos recherches ou certains de vos autres travaux dans le manuscrit. Mes amitiés, M et N Carnirus. Le problème, c'est que je sais plus où il se trouve le bureau de... Je crois qu'il s'appelle Friggs. Je me rappelle plus, les amis. Je ne me rappelle plus. Et ça m'embête. Ça m'embête. Je suis déjà allé ici, je crois, les amis. Je suis déjà allé, bien sûr. Là, je cours, mais je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai toujours dit Rebellion. Où son bureau déjà, monsieur Frick? Friggs? Friggs ou Frigg? Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, lui, d'ailleurs. Je sais plus combien de temps ça fait. Je vais quand même regarder tout en haut pour être sûr. Y'a rien. Bon. L'aile sud... Tour des professeurs. C'est ça, je vais péter un pont. Depuis tout à l'heure, la tour, elle est là-bas, quoi. Je passe à côté littéralement, en plus. Rebellion. C'en est un, ça. Rebellion.
Pas possible. C'est là où c'est fermé, d'accord. Réveillon. Quand même, regarder en haut. C'est bien fermé, là. Tac tac tac, ok, ça correspond. Et puis là, je suis. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un tout en haut là? Bah, il fait jour. Je pourrais plus rien voir, il fait jour. Il fait jour, il fait nuit. Bon sang. Réveillon. Un trésor, mais ça n'a rien à voir ça. Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien ! Laisse-moi tranquille. Ouais, je pouvais pas celui-là. Oui, ça, je me rappelle. C'était là où on avait fait une fameuse mission, mais je peux pas. Et là, attendez. Pour que j'aille le chercher, celui-là, il est où ? Bon. Réveillon. C'est fâcheux ça, les amis. Chercher ça plus tard. Je suis pas là pour ça. Il y en a un là. Il y en a un. Ah mais c'est celui de tout à l'heure ça. Non. Pas du tout. Parfait. It's good. Ah oui. Présent de mes guises. Parfait. Ça m'en fait 4 là. Donc il manque toujours de celui que je pense. C'est que je pense, mais il faut que je le trouve. Il faut que je retrouve cette pièce. Allô, Mora. Sauf que pour retrouver cette pièce, les amis, c'est pas si simple que ça. Hein. En fait, je suis en train de faire le truc et réfléchir en même temps où c'est que j'ai vu. Enfin, où est cette pièce? Je la vois en plus cette pièce avec le monsieur, mais. Je sais pas, ça veut pas. J'arrive pas à me rappeler où c'est exactement. Le puits aux quatre créatures. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits. Que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère, de l'hippogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'un de ces quatre créatures. Rebellion. Je m'en fiche. Je suis là pour trouver ces,
Ces fameux... Là, je m'en vais, là. C'est triste, hein. Tu sais où en trouver, mais tu sais pas où se trouve la pièce. Tu vois, tu te rappelles plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a rien de plus terrible. Hein. Mais vraiment, no joke. Hein. Il y a rien de plus terrible. Est-ce que je devrais pas descendre là? Hein, ça me ramène là. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je viens de faire. Et là, c'est les trucs à l'extérieur, là où je devais aller chercher. J'en suis sûr que c'est ça en plus. Ah, ça me fout. Revelio. Confringo. Ah ok, là il y aura des trucs à faire les amis. On verra ça plus tard, je suis pas là pour ça. Ok ok. En route pour de nouvelles aventures. Je reviens derrière. Je reviens. Ça va me foutre. Je reviens, mais carrément en arrière. Il est où cette salle du professeur? C'est incroyable! C'est où, bon sang de bonsoir? Faut pas s'énerver, hein. Surtout pas. Mais il y a rien de le plus embêtant en fait quand tu sais où se trouvent les trucs. Bah tu te rappelles pas de cette pièce. Où elle se trouve? Et s'il reste comme ça? Quoi? Et il restera comme ça, qu'est-ce que je te dise? M'embête pas toi. Ok, on va revenir. J'ai envie de les faire tomber, eux. Calme-toi, Bifa. J'ai envie de les faire tomber. En plus, je le vois parler avec lui, hein. Même que je l'ai dit dans cet épisode, j'ai dit, regardez, il y a la statue derrière. C'est fou, hein. Que c'est fou, quand même, ça. Et après, ouais, y en a certaines, je sais d'avance que je ne peux pas, parce que je n'ai pas le... Confringo. Action. Je n'ai pas comment dire. Je n'ai pas le niveau requis pour pouvoir ouvrir le fameux truc, là. Mais... C'est incroyable, je reviens là où je pense. Et bien sûr que oui, c'est là où je reviens. Ça me dépite. L'armure de l'elfe d'elfe de maison, excusez-moi. On raconte que cette armure destinée à un elfe de maison a été fabriquée par un sorcier cruel qui souhaitait que son elfe le protège en combat. Heureusement, le sorcier était bien trop bête pour réaliser qu'une armure pouvait en réalité que considérer comme un vêtement. Dès lors que l'elfe a revêtu son armure, il a immédiatement disparu et n'est jamais revenu, je crois. Est-ce qu'il y en avait une ici?
pas. Et là, on revient sur la statue de l'armure de troll. On revient où je pense. C'est un truc de dingue. Et je vous assure, les amis, si vous tombez sur les trucs comme ça, attendez qu'il fasse nuit, récupérez-la tout de suite. Hein. Ah, mais sans. Ah, non, mais là, sérieusement, quoi. Je vais pas le trouver, je pense. J'ai pas le trouvé. Si je trouve pas, les amis, j'abandonne. J'abandonne. Y'en a marre. Y'en a marre. J'abandonne. C'est la salle de d'Osney, je crois, un truc comme ça, non? Toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Il y en a un en haut. Oui, Osney, oui, c'était la professeure, c'était une femme. Ça y est, je m'en rappelle. Oui, il y en a une ici. Mais c'est les autres par contre. Tu es à moi, présent de... Please. C'est juste les autres là, il faut que je retrouve la salle. Du professeur Frigg, je sais plus comment il s'appelle. Ou la salle du directeur, non? C'est pas le directeur plutôt, les amis. Peut-être que je confonds là. C'est pas le directeur. Mystère. Rappelle-toi, Mipha. Qu'est-ce donc là qui. Qu'est-ce que c'est qui a fait Ginging là? C'est plus en haut, j'ai l'impression là. Je crois que je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis le début. Je peux pas, putain, je saute ici. Eh, attendez. Ouais. C'était vers où déjà? Truc de botanique, je sais pas quoi, les amis. Y avait pas un truc là-bas? Qu'est-ce que vous mijotez? Rien, laisse-moi tranquille. M'énerve pas, toi. Revelio. Non. Par contre, attendez, y a un truc là-bas. Y a une lettre, j'avais pas vu depuis le début. Cher professeur Bubil, c'est très gentil à vous. Et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées. Il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Les Wheezys aux fruits rouges, j'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Léonora vous admire tant, de même que tous vos élèves, j'en suis sûr. Avec toute mon affection à Léonora, machin, on s'en fiche. Laisse-moi tranquille, la professeure, là, j'ai pas envie de parler. Ça, c'était le truc qui me manquait la dernière fois parce que j'avais pas d'emplacement, je crois. Ça me saoule, ça. Ça, les amis, ça me saoule. Ça me saoule un peu. Et que vous pouvez imaginer. Ok, y'a plus rien. Il n'y en a pas une ici, tiens. Revelio. Faut que je fasse la même là, il va falloir que je sacrifie quelque chose là. On va sacrifier ça. C'est vraiment pas beau. C'est
C'est toujours comme ça, de toute façon, tu te dis, ouais, j'ai pas besoin, on verra ça plus tard. Au moment où tu dis ça, en général, t'aurais dû. Rebellion. Bibliothèque, y a pas. Non, y a pas bibliothèque. Ça me dit rien. C'est encore la bibliothèque. Elle est où cette salle? C'est incroyable ça. Ça doit être par ici, c'est obligé. Rébellion. Je peux pas du tout l'utiliser à partir de... Ils veulent pas ? Attendez, je vais revenir une dernière fois. Je suis sûr que je passe à côté. C'est chiant, hein. Qu'est-ce que c'est chiant quand tu te rappelles pas exactement de l'endroit. Tu sais où c'est, mais tu te rappelles plus où se trouve cette pièce. Je crois qu'il y a rien de plus terrible que ça. Le problème là c'est qu'il fait jour. On va remettre une dernière fois la nuit. Si Ah c'est parce que je suis au balai. Je peux pas quand je suis avec mon balai. Là il y en avait un. Attendez. Je crois que là il y en avait un. Ah ça me dit quelque chose. Oh, j'espère que c'est ça, les amis. Oh, sinon, je vais péter un plomb. Faut que je refasse passer encore un coup. C'est marrant, des fois, quand c'est le matin vachement tôt, faut que tu le fasses au moins deux fois d'affilée, les amis. Pour avoir la nuit. Comme si ça faisait midi et après plus tard dans la soirée, quoi. Rebellion. Y'en a un. Il est là. Oh ça. Non, me dis pas ça. J'ai envie de pleurer. Voyager était incroyablement pénible. Non. Please. Non. Comment est-ce possible? Oh non, les amis.
Il y en a un ici, je peux pas. Oh non. Revelio. C'est incroyable. Attendez, ça je vais le faire, ça vite fait. Puis je pense, les amis, j'avais compris quoi. Ça m'intrigue. Je me demande qui y vit. Revelio. Putain. Allô, Mora. Bon, je vais peut-être le faire tout de suite, comme ça moi ce sera fait, parce que à chaque fois que je dis plus tard, il m'arrive toujours des pépins. Rébellion. Remarque non, après c'est quoi, je le ferai petit à petit. Je préfère. Comme ça moi je serai tranquille. Ok, parfait. Alors attendez, sors d'ici, s'il te plaît, vite. J'en suis à combien? J'en suis à 5, les amis. Mais on faut deux autres, hein. C'est 7, je crois, les amis. Hein. Ouais, c'est ça, c'était 7. Attendez, on va regarder ça dans les... Non. Allez, quête, s'il vous plaît. Non, c'est 9. C'est 9. Bah alors, attendez, parce qu'il y en a déjà 2. Il en a déjà 2. Donc. 5, 6, 7. Donc ça en fait 7. Donc il m'en manque encore 2. Faut que j'aille dans les amos vite. Là-bas, il y en a un. Aussi là-bas. Ce qu'on va faire pour aller plus vite, c'est qu'on va faire comme ça. Et on va allonger comme ça, les amis. Ce sera beaucoup plus vite. Ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Moi j'y vais ce que je voulais. Je l'ai vu. Le 8e. Wouhou.
Il n'y en avait pas un autre juste à côté? Document, coffre. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez nous aider, moi et mon ami, pour une livraison. Désolé monsieur, mais j'ai pas trop le temps. Il y a celui-ci aussi que je vais faire les amis, comme ça ça sera fait. Il m'en manque juste un les amis, il faut que j'aille hop là. Dans un autre hameau. Décidément. Faut que j'aille dans un autre hameau. Je suis vers ici. Un autre. Bah celui-là au pire. On va se TP directement. Je vais prendre le dernier les amis. Et on se quittera là-dessus. Ce sera déjà pas mal. Ça fait un bon petit épisode. Certes j'ai perdu beaucoup de temps. Rebellion. Voilà le dernier. Nice. Hop là. Et après plus tard, ce qu'on fera, c'est qu'on fera tous les amos un par un. Et on fera tout correctement les amis. Eh bien écoutez les amis, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. On va juste regarder un petit peu ce que nous avons découvert. Donc rien de fou les amis. Tac 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 tac, ok. Donc ça, tout ça c'est bon les amis. Dans les défis, on en est où? Tac, ça c'est bon. Ok, ok. Guide des sorciers, on est déjà 86%, ce qui est tout à fait logique. Comme vous le savez tous très bien. À chaque fois les pages etc, je les ramasse et tout, donc ça va très très vite. Dans les tenues, on avait ça. On avait quoi d'autre, les amis? Je crois que c'est tout. Là, ici, ça doit être par rapport à ça, ouais. Par rapport à ça, ça. Il n'y en avait pas un autre? Première vue, non. Et là, il y en avait un. C'était plus en bas, je crois que c'était ça, ouais. Ok. Il y en a un autre, là. C'était quoi? Ah, c'était ça, d'accord, ok. Terrain naturel. Ok. Eh bien écoutez, moi sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Cet épisode a été très dur mentalement pour moi, parce que j'étais en train de réfléchir à chaque fois dans quel piège j'étais dans Boudlard pour trouver ces fameuses statues. Et au final, j'en ai trouvé, je crois, dans Boudlard... dans cet épisode-là, je crois qu'on en a trouvé 2 ou 3 les amis, pas plus que ça, malheureusement. Et puis voilà, et après on en a trouvé plein d'autres dans les dans les sortes de petits villages, etc. Voilà, sur ce, merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, très important, le petit pouce bleu de la famille. Également de commenter, partager, rejoignez les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la fameuse petite cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde, ciao ciao.